Non, 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 tu vas me prendre pour une malade, tu rigoles ou quoi? Je retire le sac, Zach. C'est bon, je fume, hein? Je retire le sac. La bague, j'aurais dû la mettre là, la nouvelle bague que j'ai achetée. Les cheveux, ça va, Zach? Tu dois filmer? C'est trop génial. Je m'amuse. 1, 2, 3. Rita de Diana TV à Bruxelles. Nous vous invitons à regarder notre vidéo sur la fête de l'iris à Bruxelles. Non, je n'aime pas, on recommande. Rita Benis de Diana TV en direct de l'hôtel de ville de Bruxelles pour la conférence de presse de l'association Le Troisième Œil qui vous invite vivement à venir ce 18 mai au Ezel pour l'événement Le Troisième Œil. Non, c'est pas. Rita Benis de Diana TV, nous avons le plaisir de rencontrer une jeune bruxelloise aux multiples facettes. Elle va nous faire découvrir son univers. Rita Benis de Diana TV, nous avons le plaisir d'accueillir une jeune talentueuse bruxelloise aux Non. Mademoiselle, parlez-nous de vous, on veut vous... Non. Non, je ne pas... J'ai quoi, j'ai quoi qui avait dit cette phrase? Alors, vous faites également du théâtre, comme vous avez pu nous le dire. Est-ce que vous envisagez une carrière dans le milieu d'actrice? Non. On vous a vu également dans une... On vous a vu également défiler dans une émission de télé. Vous avez... On vous a vu également... De tout votre... Rita Benis de Diana TV à l'église Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek pour la rencontre interculturelle, interreligieuse entre la communauté musulmane et protestante. Rita Benis de Diana TV à l'église Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek. Nous avons été là ce soir pour vous montrer qu'il est possible de vivre. Pourquoi tu me regardes? C'est là que tu me regardes. Rita Benis de Diana TV au Salon du Maroc à Bruxelles. On couvre l'événement pour vous et ensemble on va faire le tour des stands. Rita Benis de Diana TV au Salon du Maroc à Bruxelles qui s'est déroulé ce week-end. Rita Benis de Diana TV au Salon du Maroc à Bruxelles. Yeshi Beni Dorbea, Dorbea. Bonjour, vous avez participé au défilé, vous êtes deux sœurs, je peux vous demander de vous présenter en commençant par la plus âgée. Bonjour, c'est moi, je m'appelle Shema et j'ai 23 ans et je suis belgo-marocaine. Bonjour, je m'appelle Kaoura et je suis ici. Ça, je vais filmer. Ce que je fais avec toi. C'est vous? D'accord. Et toi? Monsieur Nuchès. On va aller voir là-bas. Pourquoi tu montes pas sur le truc, Afara? Je suis montée. Attends deux secondes. Mais laisse-moi me suivre. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est belle comme ça. Let's go. Afara, fais comme ça. Fais. Attends, elle s'appelle Mina, Mina. À ta sauce. À la sauce Farah. Alors, moi je vous demande un grand service pour soutenir vraiment une fille exceptionnelle, bah, c'est voter pour Farah. Alors c'est MMB21 au 6693.
Hein, on va voter pour toi. Ouais, merci, Chou. T'es belle. Votez Farah. Votez Farah, qui est moi, bien sûr. Excellent, mais ils ont intérêt en même temps. Au revoir. Bien sûr. Au revoir. Bye bye. Baraka, tonton. Ah, mais je bats. Ça, c'est pour le pétitier. Ça, c'est pour le pétitier. On peut vous faire une brève interview? Madame, moi, j'ai des portes ouvertes, oui. C'était juste... Monsieur de Saphir, on se met... C'est dur. Oublie-moi, madame. Je regarde là ou là? Là. Je la regarde à l'intérieur. Donc, du matin, ça va, non? Ouais, ça va pas, non? Très bonne actrice, il faut faire une interview. Non, non, mais c'est top. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, je sais, mais ici, je suis désolé. On est une interview, vous voulez, si vous voulez, vous pouvez faire parce que si c'est la scène, on est plus possible. Je vous donne encore deux minutes et puis après, vous pouvez. Vous avez tout la tête. On a déjà fini. Allez. Donc de donner à ce produit-là, on essaie de le... Attendez. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de... Bonjour monsieur, vous êtes présent ici pour la journée mondiale du lait. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Raph Rebeek de Gand. Que ça soutient tous les agriculteurs. Grand merci et bonne continuation à vous. Adam, j'adore Adam. Ah. En tout cas, je peux vous l'assurer, même en votre absence, vous pouvez l'engager parce qu'il fait votre pub tout le temps. Donc si vous avez besoin d'un directeur marketing, allez voir monsieur Mejbal. Mais j'y songe fermement. Non, voilà, c'est une belle aventure. Oui. On doit faire un break. D'accord. Excusez-nous, chers téléspectateurs, nous revenons après ces pages de... Et normalement, Rita Bniz de Dina TV, je me trouve en direct de SMA Bruxelles. Je suis sous une tente en charmante compagnie et je vous présente un plat qui a été réalisé par l'ASBN coopérative La Maison du Sud. Alors ça représente quoi? Il y a du couscous, un melot, du miel et des noix. Et on a été gracieusement invités ici et je vais goûter pour vous, pour tous ceux de Dina TV. Voilà, il faut soutenir cette coopérative. Merci. Je confirme, c'est très bon. Michel Coucou. On le refait demain si tu veux. Rita Bniz de Dina TV. Je t'ai dit mon direct. Rita Bniz de Dina TV au parc du Den à Forêt pour le tournage du dernier clip de Youssef Rawaz. Rita Bniz de Dina TV. Les sourcils, ça va? Il n'y a pas de note belle? Top. C'est pour le bêtisier, tout ça? 3, 2, 1, top! Rita Bniz de Dina TV au parc du Den à Forêt pour le tournage du dernier clip de Youssef Rawaz. Mamie, moi je me présente, hein, je m'appelle Rita. Bonjour Rita. Et Rita, c'est la sainte des causes désespérées. Et El Reit, en marocain, c'est aussi le secours. Tacha Rafna. Qu'est-ce que ça veut dire, Fousha? Moi je ne parle pas l'arabe littéraire, bravo. Moi je ne connais que ça, à l'école on ne va pas m'apprendre autre chose. Quand même, hein. Quand il est venu chez moi avec lui. Leila Hdioui pour Dialna TV. Salut, c'est Peggy Tabou pour Dialna TV. أنا حمام خيري بتمنى لكم السعادة والسلام الدائم.